puisqu'il était d'ailleurs marqué sur le programme que ça devait commencer à 14h. Donc j'espère que tout le monde a eu l'occasion de se rassembler. Comme je vois que c'est noir de monde et que de toute façon il n'y aura même plus de place pour plus de gens, donc je pense qu'on n'est pas trop mal et qu'on va pouvoir commencer. Vous êtes motivés? Ah, ça tombe bien, parce que figurez-vous que là, j'ai des cosplayers fantastiques qui vous ont préparé des belles pressas, qui ont mis plein de cœur et d'amour et qui n'attendent que ça parce que leur seul remerciement, c'est celui-là, là, cette ambiance que vous allez leur mettre pour les motiver. Donc je compte sur vous pour leur réserver des tonnerres d'applaudissements et plein d'amour, plein de réactions. N'hésitez pas, ne vous endormez pas parce que en vrai, il y a du spectacle de fou et vous manqueriez plein de belles choses. Allez, on va se motiver un petit peu. Je vous l'annonce, on a aujourd'hui 28 cosplayers qui se sont inscrits avec prestation. Et ensuite, nous aurons plein de cosplayers qui vont nous rejoindre pour le défilé. Donc franchement, on va les motiver, je compte sur vous. On leur fait une ovation, s'il vous plaît. Ah, j'espère que vous allez nous garder cette super ambiance. Moi, j'ai envie de vous inviter à voyager. On va commencer tout de suite, sans transition. Il n'y a même pas besoin d'en faire à ce stade. Puisqu'il s'agit d'un univers que je suis sûre que vous ne connaissez absolument pas. Chez DC Comics, ça vous parle? Oh ouais, merci, ouais, il y a un connaisseur, ouais, super. D'ailleurs, t'as pas du boulot à faire, toi? Ah, je vous remercierai d'accueillir et d'encourager notre accessoiriste. Et ouais, parce que mine de rien, sans toutes ces personnes dans l'ombre, ça ne fonctionnerait pas. J'ai une équipe d'enfer, je vous remercie, je vous aime fort. La régie, tous mes petits cosplayers qui est là, qui aident tout le monde à se mettre en place et tout, je vous aime fort. Merci à tout le monde. Allez, on se lance donc. Bon, bah chez DC Comics, je pense que ça vous parle pas parce que j'ai pas utilisé le bon terme. Est-ce que l'univers de Batman, ça vous parle? J'espère bien. Et figurez-vous qu'on va aller voyager dans un autre temps, une autre dimension peut-être. Il s'agit d'une autre version de moi-même, quand je rigole, de Harley Quinn en version pirate. Et vous allez nous réserver un accueil d'enfer pour nous encourager. La grande folle qui nous a préparé une presta d'enfer pour vous réchauffer le cœur. Il s'agit de Aria Zatara. On l'accueille, s'il vous plaît. À ce personnage que nous aimons tant. Ben oui, vous l'aimez, non? Ah, merci beaucoup. On va garder cette super énergie et cette super ambiance et on va continuer à voyager. Et cette fois-ci, parce qu'on est toujours là pour se faire plaisir. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais ici, on est sur une scène non compétitive. Ce qui veut dire que justement, c'est ouvert à tout le monde. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour classer. Et ça nous permet d'accueillir sur scène des personnes qui nous font des créations personnelles. Et il y en a des incroyables, je suis sûre que vous connaissez. Vous les adorez, on adore leur faire des gros câlins. Les Furies, vous connaissez? Oui, tout à fait. Et on en a une magnifique, une belle création que Wif et ses fufus nous a préparée et qui va nous mettre une ambiance d'enfer encore. Je compte sur vous pour continuer à me garder cette chaleur. On va admirer
son lynx du nom de Juno. On l'encourage, s'il vous plaît. Je sais qu'on ne respire pas très bien, mais là, il y a eu plein d'amour, plein d'énergie. On continue à y mettre du cœur et de la passion. Je vous invite maintenant à voyager dans un autre univers que je suis sûre que vous connaissez. Pour les jeux vidéo, récemment, il y a eu un grand succès. Est-ce que vous connaissez l'univers de Genshin Impact? Eh ben, on va réserver un accueil fantastique aux Bunny Girls et Monstrat qui vont nous présenter les personnages. Alors j'espère que je vous prononce bien, je suis désolée d'avance. Et où la Mona et Amber. Et qui vont venir nous rejoindre. Peut-être pas. Alors moi je vais passer un peu de timidité la dernière. Franchement. Est-ce qu'on les motiverait pas un peu plus là s'il vous plaît? On les encourage. Qu'est-ce qu'on fait ça? Bien sûr. Vous venez vous installer et vous mettre en place. Oui, allez, venez, rejoignez-nous sur scène. On les encourage bien fort, s'il vous plaît. Le festival de cette année était très animé. Avec ses lanternes et ses cerfs-volants. Il y avait tant de choses à voir. Qu'est-ce que tu en as pensé, Général? J'ai été très occupée avec toi. J'ai été contente de pouvoir admirer le lanterne. Il semblerait qu'il y ait une petite erreur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur, pardon? Alors ça pourrait être de ma faute. Vérifiez au cas où le son numéro 11. Parce que j'ai peut-être inversé les deux Genshin Impact par erreur. Dans les rushs et les nuits blanches. Au cas où. Non. Laisse pas notre ami. C'est pas ça? Le festival de cette année était très animé. Avec ses lanternes et ses cerfs-volants. Il y avait tant de choses à voir. Qu'est-ce que tu en as pensé, Général? C'est pas celui-là non plus. J'ai été très occupée avec le restaurant, mais j'ai été contente de pouvoir. Ce qu'on va faire. Alors, je suis désolée du coup, je vais vous proposer de retourner tranquillement backstage. Je vais vérifier moi dans ce que j'ai dans mon téléphone. Parce que je suis sûre que j'ai le bon son quelque part. Je vais regarder, on va leur donner les sons pour vérifier. Il doit être quelque part dans la playlist où il y a eu une petite erreur, je ne sais pas, au cas où. Et on va enchaîner du coup avec le groupe suivant pour l'instant. Et on va essayer de trouver une solution pour vous permettre d'admirer la presta qu'elle nous a préparée, bien sûr. Bon, alors, désolé pour les petits soucis techniques. En attendant, je vous invite à voyager à nouveau. Et on va partir dans un univers de légendes celtiques. Ouh, attention, ça devient mystérieux. Nous avons
Aoki Shiromoko, qui nous a préparé une création personnelle inspirée de la déité Manase. On l'encourage, s'il vous plaît. En vrai, ma doublure aurait pu prendre le relais. Mais du coup, je reviens, j'en profite. Je vais passer venir vous voir côté régie pour savoir. En fait, le son numéro 3, normalement, j'ai le bon, effectivement. Mais on m'avait signalé ce matin qu'il y avait un souci technique et qu'il ne fonctionnait peut-être pas. Est-ce que ça avait été résolu? C'est pas bon pour vous pour l'instant? Donc, on est en train de voir avec les Bunny Girls pour récupérer le son différemment et vous le ramener. Et on va les garder pour la fin des passages, d'accord? Donc, ce qu'on fait, c'est que pour l'instant, hey, on sait faire face aux soucis techniques, les aléas du direct. On va enchaîner, bien sûr. On continue à encourager tout le monde. Merci à tous pour votre patience. Et du coup, que je ne me trompe pas maintenant, nous en sommes arrivés à un nouveau petit voyage vers l'univers d'Ensemble Stars. Est-ce qu'il y a des connaisseurs? Oui, merci. Il y aura du soutien, n'est-ce pas? Et nous allons pouvoir accueillir Van qui nous a préparé une belle prestation avec le personnage de Hiro Amagi. On lui réserve un accueil chaleureux, s'il vous plaît, un peu de motivation.
Bien. Nous allons donc accueillir Ayane dans le personnage de Mao Daoji. Je ne sais pas si je prononce bien, j'ai bu un petit peu trop de bière tout à l'heure. De l'univers Weiyo Cheyenne. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît! C'était magnifique. Du coup, nous continuons avec un duo qui sont Etienne Cosplay et Saika Dark Angel dans les personnages de Kuroko no Basket et Aomin et Akashi, si c'est bien ça. Mais vous dormez? Ah, quand même! On les encourage! Opposant les lycées des taux, commencez. Est-ce que c'est OK? OK. Le match opposant les lycées des taux, commencez. Thank you.
bravo à vous pour cette belle partie de basket. Pour la prochaine participante, est-ce que vous connaissez Fairy Tail? Bien évidemment. Du coup, nous accueillons Noragami qui va interpréter le personnage de Julia. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Dans le personnage de Wanderlust. Et là, on l'applaudit encore bien fort! Alors, voyons voir où est-ce que le Densiverse m'emmène encore enfin. M'engager. Ben, j'y suis jamais allé. On va faire un test public alors. Ça va m'engager? Alors, le principe de la question c'était que tout le monde soit groupé et prêt. Alors, on va recommencer. Je donne une seconde chance m'engager. Il va falloir que ce soit plus convaincant. Hein. Je recommence. Musique maestro. Ok, m'engager. Est-ce que vous êtes chaud? Quelques participants, j'espère que vous avez encore de l'énergie, faites du bruit pour eux, ça donne de la force. Surtout, ne reproduisez pas ça chez nous, hein, bien évidemment. C'est réalisé quand même professionnellement. Donc, nous accueillons notre 10e participante, qui est Mélie Mioda, qui va interpréter
Elle rit, moi, je ne sais pas trop. Ça, c'est la bière qui décide encore. De Love Project Sekai Colorful Stage. Et on l'applaudit bien fort. N'est-ce pas? C'est le retour de la Harley Quinn moderne après ma très chère Harley Quinn qui a pris le relais. Merci infiniment. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, c'était sa première fois au micro, c'était de l'improvisation totale. On la remercie quand même, s'il vous plaît. Et oui, parce que qu'est-ce que ce serait du direct sans des petits aléas et des soucis techniques? Mais figurez-vous qu'on a un régie d'enfer ultra compétent qui nous en fait un petit bidouillage et c'est réglé. Et on remercie beaucoup la patience de nos bunny girls. On va les laisser bien sûr reprendre leur souffle et on leur permettra de revenir sur scène à la fin des passages en prestation. Mais je compte sur vous pour leur réserver un super accueil, bien évidemment. En attendant, je vous propose de voyager à nouveau puisque c'est ce que... Alors je reprends le fil, hein, les excuses du coup. Nous allons donc maintenant revenir vers un univers que je suis sûre que vous connaissez déjà. Le jeu vidéo de Genshin Impact. Ah là 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 là. Attention, nous avons donc le trio Tokyo Ryu qui va nous présenter les personnages de Venti, Tao et Shenhe. Est-ce qu'on peut leur réserver un accueil d'enfer, s'il vous plaît? Le festival de cette année était très animé, avec ses lanternes et ses savoirs. Il y avait tant de choses à voir. Qu'est-ce que tu en as pensé, Shinra? J'ai été très occupée avec le restaurant, mais j'ai été contente de pouvoir admirer les lanternes et les cerfs-volants. C'est la première fois que je les voyais d'aussi près. Eh bien, je suis contente que tu aies apprécié le festival. J'ai entendu dire que ce fumage avait déménagé à Lyon. En vrai, elle ne supportait pas de décider vers lui-même. Maître a toujours été ainsi. Non, laisse faire notre ami de l'arbre. Tiens, ne serait-ce pas le temps? Comment ça va? Ça fait longtemps? Ah, tiens, bonjour à toi aussi. Bonjour. Un instant, mon avocat. Le temps s'est arrêté. Jusque vers le ciel, j'ai eu une longueur. Avec une douceur infinie, son vent a soufflé. Lui, je l'ai bien fait. Je sens que je suis déjà très inspirée pour mon prochain poème. Et quel sera le thème de ce poème? Sur lui et sur le festival de lanternes, en plus de deux charmants de mort. Oh, eh bien, on dirait que le thème a déjà été donné. Eh bien, je n'ai qu'à y répondre. À travers un concours de poésie, bien sûr. Regardez là-bas. Un animal de l'eau. Il a l'air triste. Allons voir. Oh, mais c'est une peluche. Elle est trop jolie. C'est vrai. Je vais l'emporter avec moi. Ça ne fera un énième souvenir de louer. Oh là 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 là, beaucoup
trop de mignonitude. Ah, c'est trop mignon. Merci infiniment pour cette très jolie presta. J'aime beaucoup. On a de la variété, on a de la douceur, on a de l'ambiance, on a plein de passion. Vraiment, merci à tout le monde de nous présenter toutes ces belles choses. Et on va pouvoir continuer. Et là encore, figurez-vous qu'il y a toujours des personnes qui font face à des soucis techniques. Et je tiens à ce qu'on encourage tout particulièrement notre personnage suivant qui, en fait, au final, a dû échanger à la dernière seconde suite à vraiment plein de soucis. Et vraiment, je tiens à ce qu'on l'encourage très très fort parce que Lilith va quand même monter sur scène aujourd'hui malgré un, je peux le dire, il y a eu un vol de son cosplay en fait à la base. Ouais, c'est hélas, dans le monde actuel ça arrive encore. Donc, malgré tout, là c'est encore quelqu'un qui fait face et qui va venir quand même vous présenter un personnage. Et donc du coup, nous allons pouvoir accueillir Utao Oshina de Shogokara. Est-ce qu'on peut lui réserver un accueil d'enfer s'il vous plaît pour Lilith? On a à cœur de partager cette passion avec vous. Et mine de rien, on commence un petit peu à s'approcher de la fin. Il nous reste donc trois prestations incluant nos Bunny Girls qui, j'espère, auront pu reprendre leur souffle. Mais pour l'instant, nous allons déjà retourner dans un tout autre univers que je suis sûre que vous connaissez aussi. Est-ce que si je vous parle de Full Metal Alchemist? Ah, nous avons des connaisseurs et nous allons pouvoir accueillir Bianca Nox qui va nous présenter le personnage de Last. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements! Eh bien, je vois que les alchimistes d'État se sont donné le nom. Auriez-vous peur d'une femme telle que moi? Vous avez parfaitement raison. Je peux déjà voir vos regards s'emplir de désir. Cela est si simple. De la part de nos cosplayers fantastiques en backstage, mais peut-être que je suis un petit peu sourde, mais j'ai plus l'impression de beaucoup vous entendre. Est-ce que vous vous êtes endormi? Ah, merci, ça me rassure. Bah, figurez-vous
qu'on aurait envie de vous entendre très très fort. Parce que là derrière, il doit y avoir peut-être un problème de retour de son, on ne vous entend pas assez. Alors motivez les moines cosplayers, ils sont fantastiques, ils sont là avec amour. Et leur seul remerciement, ce sont vos applaudissements, s'il vous plaît. On les encourage. Merci. Et je suis sûre que cet univers-là va de nouveau vous parler, parce que je vous ai entendu tout à l'heure réagir quand on vous a parlé de l'univers de Fairy Tail. Mmh, on va pouvoir accueillir le personnage de Lucy, la fille par Ichigo. On l'encourage, s'il vous plaît. La dernière prestation. Quelle spontanéité. Vous êtes censé faire. Oh. Allez, on va vous la refaire. Attention, on ne dira pas que je vous ai soufflé. Ça va être la dernière prestation. Mais figurez-vous que c'est celle que vous avez du coup eu la patience d'attendre, avec des personnes qui ont eu le courage de faire face aux imprévus, des aléas du direct. Donc je compte bien sur vous pour leur réserver un accueil fantastique. Mais je rappelle aussi, en passant aux cosplayers, je vous vois, c'est bien parfait, vous avez déjà le bon réflexe, aux cosplayers qui souhaitent participer au défilé, de commencer à se rapprocher, puisque oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Après la dernière prestation, on va pouvoir enchaîner avec le défilé cosplay pour les personnes qui le souhaitent. Ne partez pas trop loin, profitez du spectacle, parce que je sais qu'il y a des personnes ici qui vous ont préparé quelque chose d'enfer. Donc attention, on va pouvoir de nouveau retourner dans l'univers de Genshin Impact avec nos superbes bunny girls de Mondstadt qui nous ont préparé les personnages de Eula, Mona et Amber. Et s'il vous plaît, oui, on leur fait un tonnerre d'applaudissements. Thank you.
vraiment. Eh, ça valait la peine par là, hein, de faire un petit peu face aux imprévus du direct, mais vraiment, on les remercie parce que c'est pas facile quand ça arrive. Ça fait beaucoup de stress et pourtant, est-ce qu'elles vont pas assurer du feu de Dieu, s'il vous plaît? On les applaudit.